Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des dauphins. Ces animaux au sourire éternel sont bien plus que de simples créatures joueuses. Ils sont des merveilles de la nature, captivant notre imagination depuis des siècles. Ils possèdent l'un des esprits les plus complexes du règne animal, rivalisant même avec certains primates. Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par leur intelligence, révélant des capacités cognitives qui remettent en question notre compréhension de l'intelligence animale. Les dauphins pensent, planifient et communiquent d'une manière que nous commençons seulement à saisir, menant des vies dynamiques, remplies de liens sociaux et de compétences en résolution de problèmes. Leurs cerveaux sont grands et complexes, avec un néocortex très plissé, indiquant des fonctions cognitives avancées et une capacité d'apprentissage impressionnante. De la reconnaissance d'eux-mêmes dans les miroirs à la compréhension de concepts abstraits, les dauphins repoussent les limites de ce que nous pensions possible pour les animaux non humains. Nous explorerons leur ingéniosité, de l'identification de leurs amis à l'utilisation d'outils et leurs riches conversations sous-marines, les révélant comme des êtres intelligents naviguant l'océan avec des capacités impressionnantes et une complexité sociale fascinante. Dans le vaste océan, un monde vibrant de vie et de mystère s'étend sous la surface. Ces cétacés utilisent des sifflements uniques pour s'identifier mutuellement, comme des noms personnels permettant à chaque individu d'être reconnu. Chaque dauphin développe son propre sifflement distinct très tôt dans sa vie, qu'il utilise pour appeler des individus spécifiques, un peu comme nous utilisons les prénoms. Des études confirment ce concept fascinant de nom, montrant que les dauphins répondent activement à leur propre sifflement, même au sein d'un grand groupe. Ce système ingénieux maintient des liens sociaux forts, même sur de grandes distances, permettant aux mères d'appeler leurs petits et aux amis de se retrouver facilement. L'apprentissage de ces sifflements est un processus fascinant, impliquant un apprentissage vocal complexe, un trait rare dans le règne animal et partagé par peu d'espèces. La communication des dauphins n'est pas purement instinctive, mais implique un apprentissage, une adaptation et une créativité significatives. Chaque sifflement est une création personnelle, renforçant les liens sociaux et l'identité unique de chaque dauphin au sein du groupe. Au-delà des sifflements, ils s'identifient mutuellement grâce aux signatures chimiques présentes dans l'urine. Cette méthode fournit des informations sur l'identité, la santé et le statut reproducteur. Des recherches indiquent que les dauphins passent plus de temps à examiner l'urine familière, ce qui indique une reconnaissance. Cette empreinte chimique permet aux dauphins de suivre les liens sociaux même lorsque les individus ne sont pas présents. En combinant cela avec la communication acoustique, les dauphins maintiennent une conscience sociale complexe. Cette reconnaissance intermodale, liant le goût et le son, souligne leur intelligence sociale sophistiquée. Ils utilisent tous leurs sens pour naviguer dans leur monde social complexe. Ce sont des chasseurs stratégiques, employant des techniques sophistiquées comme le regroupement pour attraper leur proie. Ils travaillent en équipe, rassemblant les poissons en boules serrées pour une alimentation efficace. Cela demande une communication et une coordination incroyables, chaque dauphin comprenant son rôle. Des techniques comme le fish walking montrent leur prouesse physique et leur capacité cognitive à concevoir des méthodes de chasse spécialisées. Ces stratégies sont des comportements appris, transmis de génération en génération, s'adaptant aux environnements locaux. La chasse est une salle de classe où les jeunes dauphins apprennent des compétences de survie auprès des adultes expérimentés. Les méthodes de chasse des dauphins soulignent leur intelligence et leur nature coopérative. La technique de pêche au filet de boue est un brillant exemple de l'ingéniosité des dauphins. Un dauphin conducteur crée un anneau de boue, piégeant les poissons à l'intérieur, tandis que d'autres attrapent les poissons qui s'échappent. Cela nécessite une division claire du travail et une confiance entre les membres du groupe.
C'est un comportement transmis culturellement, appris et pratiqué par les jeunes dauphins. Cette technique met en valeur la capacité des dauphins à innover et à manipuler leur environnement. La coopération sociale et la manipulation de l'environnement des dauphins témoignent de leur intelligence. La technique de l'anneau de boue est un exemple puissant de leur apprentissage social complexe. La communication des dauphins est une symphonie complexe de clics, de sifflements et de sons pulsés qui résonnent à travers les océans du monde entier. Chaque son a une fonction précise et joue un rôle essentiel dans la vie sociale et la survie des dauphins. Les clics sont utilisés pour l'écholocation, créant une carte sonore détaillée de leur environnement et leur permettant de détecter des proies ou d'éviter des obstacles, même dans l'obscurité totale. Les sifflements, y compris les sifflements signature, sont utilisés pour la communication sociale, transmettant des émotions, appelant des individus précis et coordonnant les activités du groupe. Les sons pulsés expriment une grande excitation ou une agression, ajoutant une profondeur émotionnelle à leurs interactions et renforçant les liens sociaux. Ce répertoire acoustique est essentiel pour comprendre leur intelligence remarquable et leur complexité sociale unique. Le système de communication des dauphins est riche et polyvalent, parfaitement adapté à leur vie aquatique et à la dynamique de leur groupe. Leur capacité à transmettre des informations complexes défie notre compréhension du langage et fascine les chercheurs du monde entier. Les vocalisations des dauphins soutiennent une structure sociale impliquant la coopération, l'apprentissage et la transmission culturelle entre générations. Leur communication est l'une des plus complexes du règne animal, suggérant une forme sophistiquée d'intelligence et une culture propre à leur espèce. La complexité de la communication de ces cétacés soulève la question : ont-ils un langage ? Bien que non concluant, leur utilisation de la communication symbolique suggère un système sophistiqué. Ils comprennent les systèmes symboliques créés par l'homme, démontrant une compréhension de la syntaxe. Leurs interactions naturelles ne reflètent peut-être pas le langage humain, mais est indéniablement complexe. Le langage des dauphins soutient une structure sociale impliquant la coopération et l'identité. Cela nous met au défi d'élargir notre définition du langage, appréciant leur forme unique de communication. Les voix des dauphins racontent une histoire profonde de l'intelligence marine.